Bonsoir à tous, ce soir une émission spéciale jeu avec des invités extrêmement chatoyants. Nous recevons l'excellent Gérard Jugnot, bonsoir. Bonsoir Gérard. Très chatoyant. Ah oui, oui. Les enfants qui sont au générique, il y en a qui se sont mariés, non? Là maintenant, oui, il y en a. D'ailleurs, on est invité au mariage. Et là, l'alliance. Et l'alliance. Ah, je lis les gazettes. Voilà, ben voilà. Voilà, voilà, Gérard. Donc, c'est pas des conneries. Vous venez d'annoncer un truc dont personne n'était au courant, en aucun. Je voudrais qu'on accueille une femme et pas n'importe quelle femme. Ce soir, elle a opté pour le look Jérémy, Clémentine Célarié. Non, je parlais des vêtements. Ouais, non, non, mais... Ça va? Ouais, super. Là, je voudrais qu'on accueille un invité suivant. Et là, je ne sais plus quoi dire sur lui, parce que même Télérama dit du bien de lui maintenant. C'est vous dire... Bernard Tapie, mesdames et messieurs. Bonsoir, Bernard. Qu'est-ce qu'elle brille? De quoi? Qu'est-ce qu'elle brille? De quoi? L'alliance, tu peux ah, pas... Ah, l'alliance, tant qu'à la voir, au moins qu'on la voit. Nous allons accueillir une grande dame du musical. Alors là, on a tous dansé au moins une fois sur une de ses chansons. Je suis le porte-parole de la fédération officielle des fans de Tata Yo-Yo. Je voudrais qu'on fasse un triomphe pour la grande, la seule, l'unique, Annie Cordy. Bonsoir, Annie. L'invité suivant est tout en bogosité, c'est l'un des playboys de TF1, mais ça va s'arrêter net ce soir, hein, puisqu'on a en wagon des casseroles terribles pour Jean-Luc Reichmann, dont le surnom est Boogie Chou, j'ai appris ça. Jean-Luc Reichmann. Bonsoir. Et nous allons accueillir un excellent jeune homme. C'est celui qui est devenu un grand chanteur hein, maintenant, chanteur capillaire, on va dire, hein, puisqu'il a lancé beaucoup de coupes de cheveux dans les écoles. Hein, on en parlera tout à l'heure. C'est Jérémy Châtelain qui est avec nous. Faites-lui un triomphe. C'est un plaisir de recevoir encore ce rappeur de la télévision, Pierre Magic Tchernia. Bonsoir, Pierre. Et enfin, puisque ce soir, nous allons parler de télévision, bien entendu, et nous allons consacrer cette émission, entre autres, au meilleur du pire des jeux à la télévision. Nous avons une spécialiste qui est là chaque mois pour vous. Hein. Chaque mois. J'ai laissé un mélange de chaque semaine et moi. Chaque mois. Non, et là, chaque mois, c'est Mélanie. Hein? Mélanie qui est avec nous. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir. Elle est mignonne comme tout, Mélanie. Ça fait plaisir. Hein. Mélanie. Oui. On va commencer. On va effectivement commencer avec Boogie Chou. Et attention à la marche, c'est tous les jours à 12h05 sur TF1. Vous le savez, il chôme pas. Boogie Chou reçoit des candidats hein, qui doivent se présenter. Et malheureusement, là, vous avez glissé, que vous le veuillez ou pas. Hein. Je suis désolée. En vérification en image. Regardons. J'ai glissé, moi. Stéphane, vous venez d'où? De Meaux-Seine-et-Marne. Meaux, les habitants de Meaux s'appellent des... Meldois. Des Meldois. Des Meldois. Bien, écoutez, amis Meldois, comme quoi, on n'est pas à l'abri d'un... Vous êtes accompagné ici, non, avec votre... Elle est venue avec moi, Elle est venue avec vous? Ouais, elle me suit beaucoup. Elle vous suit beaucoup? Ah. Et vous l'avez jamais semé? J'ai essayé, mais pas facile, hein, elle s'accroche. Elle s'accroche, ça fait combien de temps qu'elle s'accroche? Bon, ben celle-là, ça fait pas trop longtemps. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire ou... Ah non, oui, bah célibataire, oui, c'est pareil, oui. C'est pareil, oui, ouais. Mais autrement dans la vie, c'est... Oh non, j'ai mon copain Gilles. Ah oui. Qu'est-ce que vous trouvez de beau chez votre mari Franchement? Oui. Oh non. Si. Son regard de basset artésien. C'est vrai, il a un peu la tête du basset artésien. Eh ben, vous pouvez pas savoir quand on aime les animaux. Eh ben, moi, ça a été oui tout de suite. Marie-Germaine, donc, vous pédalez vous-même? Disons que je fais le trottoir, j'attends mes fesses. Attendez, Marie-Germaine. Alors voilà, ça commence bien et d'un seul coup... Ça dérape. Joseph, vous avez un métier? Oui, j'étais entrepreneur. Et le patron, il était sympa ou il était comment? Ma foi, ça dépendait des jours. Il s'appelait comment, le patron? C'était moi. Voilà, on va se régaler tout au long de cette émission.
puisque nous vous avons comme invité, on va pas se priver de montrer des bêtises. C'est vrai que les questions que vous posez, on en parlera, vous en avez fait un livre, c'est un délire à chaque fois. Hein. Oui, les questions, c'est un délire, mais les gens sont tellement généreux et sont tellement naturels. Et le but, c'est de passer un bon moment, et puis c'est tous les midis. Où on vraiment... va pas se priver ce soir, on a le meilleur comme le pire hein, de Jean-Luc Reichmann, vous verrez tout au long de cette émission. Jérémy, en préparant l'émission, on m'a dit que vous aviez grandi en regardant Les Enfants de la télé, et j'ai pas dormi deux jours. Désolé. Non mais c'est vrai, votre culture télé, c'est en regardant notre émission. Bah ouais, on m'a demandé, c'est quoi ta culture télé? Bah c'est Les Enfants de la télé, ça fait 10 ans que je regarde Les Enfants de la télé. Pardon. 10 ans. Hey. Mais qui est-ce qui présentait il y a 10 ans l'émission? C'était pas le gros avec les lunettes? Non, c'est un mec avec des lunettes. Alors, vous regardez beaucoup la télé? Est-ce que vous regardez la télé avant de dormir tous? Il y a des gens qui ne peuvent pas s'endormir sans avoir zappé un peu. Ça dépend à l'heure qu'il est. Oui, et puis ça dépend avec qui on est aussi. Vous avez la télé dans la chambre à coucher, Gérard? J'en ai une petite, oui. Si je peux me permettre. Dans la chambre à coucher. Il en a une petite. Si vous pouviez. Si vous pouviez éviter de sortir ça du contexte. Non, bah, dis-nous. Et Gérard j'en et Bernard. Une petite télé. Bernard, dans ma chambre, bien équipé, voilà. Vous. Mais, vas-y, alors, qu'est-ce que tu disais? On s'aperçoit en même temps qu'on est dans le zapping, toi. Ouais. Bernard, non. Vous êtes bien équipé, vous, comme je le disait Jérémy. J'ai une petite dans la chambre. Vous avez des grandes télés, vous avez des... La petite, je l'ai plutôt dans la salle à manger. Dans d'accord. Dans la chambre, j'ai la grande. Un 16-9e, Bernard. Le problème du 16-9e, c'est que c'est grand, mais c'est très, très plat. Hein. Pardon, excusez-moi. Non, mais vraiment, Clémentine... Je sais que vous êtes super choqué par mes propos et je vous prie de m'excuser. Non, elle adore les grosses têtes. Oh Annie, vous avez déclaré dans un journal, car j'ai lu le journal, vous avez dit, les gens l'oublient, mais je suis belge. Oui, et alors? C'est tout, voilà. C'est juste... tout, ça arrête là. Et figurez-vous que les enfants de la télé sont extrêmement regardés en Belgique. Oui. Et ce qui est notre fierté, oui, oui, tout à fait. Il y a de 3 sympathisants dans la salle. Hein. Et c'est pourquoi nous avons voulu vous rendre hommage à vous, mais aussi à la télévision belge, que personne ne regarde la télévision. Mais si, tous les Belges. Oui, non, mais, je parle autour de la table, Clémentine, vous regardez... Moi, je suis pro-belge à fond, de toute façon, excusez-moi. Hein, vous regardez quoi, la télévision belge? Quand je suis en Belgique, je regarde tout. Voilà. Je regarde striptease. Voilà, striptease, c'est belge. Non, non, mais sérieusement, les Belges, ils sont super, ils ont une imagination, ils se prennent pas au sérieux, ils sont super chouettes. Pour ceux qui ne regardent pas la télévision belge, voici des fous rires tout nouveaux, et cette fois-ci, c'est un super cadeau. Oui, ouais, ça me quelque chose. Et on va terminer par Mister Oiseau, donc Oiseau O-I-Z-O, bien sûr, hein, parce qu'en 2024, ça va s'écrire comme ça. Donc Mister Oiseau, bah là, c'est pareil, hein, c'est des bites dans tous les sens. Des rythmes. Météo grise dans le nord, bleu dans le sud, douceur presque partout dans le monde, en tout cas sur la carte continentale pour commencer. Dans le monde, je ne suis pas certaine. Nous avons une perturbation en provenance des Pays-Bas qui va s'enfoncer dans l'après-midi, occasionnant quelques petites pluies. Demain, l'anticyclone prendra les choses en main, nous assurant l'amélioration attendue. Morosité automnale dans toute la moitié nord, avec de la grisaille, pardon, comme en Europe de l'Ouest. Des précipitations plus abondantes en Russie et en Biélorussie. Au sud de la Loire, on commence à sentir les effets de l'anticyclone, avec une évolution favorable. C'est génial. On va passer aux températures. C'est génial. Vous voulez bien. Beaucoup de douceur partout, avec 12. Et beaucoup de soleil en Italie avec 29 degrés. Et en Belgique, de la pluie cet après-midi et des températures très douces. Voilà, et bien écoutez, cette météo a été un petit peu perturbée par ce fou rire. Je m'en excuse auprès de vous. On se retrouvera tout à l'heure pour une météo beaucoup plus sérieuse. Et je vous parlerai de la Belgique et pas du monde cette fois. Tout à l'heure. C'est magnifique, hein, parce que... Elle n'ose pas revenir. Non. On a mal pour elle. Hein. Alors... Nous avons la chance d'avoir parmi nous des chanteurs, des musiciens. Ah j'ai bon envie de dire, oui, oui. Qui joue d'un instrument autour de cette table? J'en ai un petit. Un petit harmonica.
Je joue d'aucun instrument, enfin, je joue de moi. D'autres instruments ? Piano. Du piano ? Oui, piano. Ouais, piano. Violon. Du violon, vous avez joué du violon ? Ouais. Oh, non, c'est vrai ! Non, non, ma parole ! Il avait beaucoup de violon. Attends. Énormément. C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, parce que nous, moi, j'ai... On a des images de Bernard, histoire d'ouvrir la séquence casserole, de Bernard qui joue du piano, vrai. Quoi. Hein. Du piano, ah, du non, Bernard au piano, c'est Charlie Oleg en beau gosse. Hein, c'est, alors, même s'il connaît deux accords en musique, il les maîtrise à mort. Hein. Vous vous souvenez des 40 ans du magazine pour lequel vous avez fait animer la soirée ? Oui. Eh bien, à un moment, vous avez joué du piano et vous avez chanté. C'était oui. Ah ben oui. C'est très, très sympa. Et on sent que vous nous donnerez votre avis, vous qui êtes une grande dame du musical. Regardez, Bernard Tapie, au Zénith, c'est énorme. Ah, Carole Frédéric. Salaud, je vous laisse en boucle. C'est un match aujourd'hui. Hey, il a un culot monstre. Jaloux, hein? Non, 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 non. Il est jaloux. Moi, je dis, c'est un message d'optimisme pour les mômes qui galèrent au solfège. on va parler pub. Est-ce qu'il y a des publicités pour lesquelles vous aimeriez jouer? Clémentine ? Voiture. C'est vrai ? Mmh. Pourquoi ? Parce que je suis tout le temps en voiture. Enfin, je veux dire, tout le temps. Non, mais parce que j'adore être en voiture, j'adore rouler, et j'aimerais bien, avec mes enfants, ça, là, toute la... Une pub de bagnole, quoi. Ouais, un truc, parce que, ouais, on voit souvent des hommes ou des qui conduisent, et moi, je suis une femme. Hein ? Je suis pas un homme. On se prend des trucs, ce soir. C'est donc ça ! On savait et pas. Je conduis. Non, mais j'aime bien, c'est génial. Et vous, Annie, si vous aimeriez... Des bonbons. Des bonbons ? C'est pas vrai ? Oui, des bonbons. On a une surprise pour vous, vous qui aimez les bonbons tout à l'heure, vous allez voir. Ah bon ? Bernard a fait de la publicité, il a fait une pub culte, tout le monde, lui qui a grandi devant la télévision, tout le monde se souvient de la pub pour les piles. Parce que dans les années 80, Bernard, c'était un peu le cousin de Superman, toujours au top, voilà. Une énergie incroyable, voilà. Un brushing de folie, la mini-vague voilà. En feu. Grâce à la mini-vague en feu. Vous allez voir la pub, à mon avis, il y a un mec devant qui va en marche arrière et qui a un ventilo. Un ventilo. Non, mais c'est de la folie, mais il y a le brisard. Enfin, c'est un mais c'est la dérision, t'as rien compris. Le blizzard. Le blizzard. Oui, le blizzard. Le blizzard, c'est... Bon, bref. C'est quand même... Georges Lautner qui avait réalisé la pub. Georges Lautner, et elle date de 87. Regardez à quoi marche Bernard Tapie. Qu'est-ce qui fait marcher Tapie ? 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 Elle est énorme la pub. Qu'est-ce qui fait marcher Tapie ? 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 Mais qu'est-ce qui vous fait marcher ? Moi ? Je marche à la Vendeur. Alcaline Vendeur, plus 40% de durée. Dis donc, c'était pas mal. La classe. Oh, c'était bien. Moi, je trouve que c'était bien. Mais on met pas des images que pour se moquer dans cette émission. Des fois, mais des images c'est qui... très bien. À la classe, le costard, on dirait Monsieur de Fursac au mais début. Écoute, ça voulait dire que sans pile, j'étais plus rien. Ouais. Ah, alors là, c'est la version classe de la pub pour les piles. Maintenant, on va parler à Gérard Jugnot, qui lui aussi a donné dans la pile. J'en ai réalisé, moi. Mais... Non, non, vous avez joué dans une pub pour des piles. Moi ? Ah oui. C'est pas le même style au niveau du look. Il n'y a pas le brushing, il n'y a pas la petite pochette, il n'y a pas la secrétaire, les cheveux en feu. Mais il y a un petit quelque chose qui n'est pas sans nous rappeler que vous êtes un amoureux de la France. J'ai fait ça, moi. Oui, 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 ah bah oui, oui, coupable. Hein. C'est le même réalisateur, Georges Lautner. Et cette pub date de 1983 et
parce que vous avez toujours été coquet, vous avez un bob sur la tête qui nous donne envie de partir en vacances, c'est dis faux, donc. C'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est vrai. C'est un montage. Oui, oui. Avec le numérique, maintenant, on fait des trucs. Oui, bien sûr. Je me souviens pas du tout. Regardez, on s'en est souvenu pour vous, Gérard. À gauche, la pile alcaline Mazda puissance 5. Oui. Oh la vache! À droite, une pile classique. La tête! Je me souviens maintenant. Joli! Par rapport à une pile classique, Mazda puissance 5 contient jusqu'à 5 fois plus d'énergie utile. Et oui. Ah ouais, bah ouais, ah ouais. Pas moi! C'est pas moi! Regardez les images! C'est pas moi, c'est Zanini. Vous êtes bien comme ça. En plus, le concept, on bat les Allemands. Mais surtout, en, le mec, il pile. A joué tous les rôles de SS dans tous les films. Ouais. Tu sais que j'ai racheté Mazda après. Authentique. Ah, mais on a angoissé pour la fin de l'émission, Bernard. Non, on non. est tous là. Qu'est-ce qu'il va racheter avant la fin de l'émission? Non, plus rien, c'est fini ça. Mélanie. Allez, vous connaissez tous Le Juste Prix? Oui. Oui, animé par Philippe Risoli pour qui les bananas sont cuitasses. Maintenant, ceux qui ne le savent pas. Non, c'est une chanson. C'est sa chanson. C'est pas gentil. Hein. Alors là, vraiment. Cuitasses. Les bananas, c'est sa chanson. Coupé en dos, les potatoes. Merci Jérémy. Il y en a un qui suit ici, ça fait plaisir. Bah, moi normal, hein, j'étais en primaire, j'entrais de midi, je regardais Juste Prix. Ah bah voilà. C'est ça, c'est pour ça. Alors ça, c'est méchant. C'est pour ça. C'est méchant, il est en train de nous traiter de vieux. C'est pas parce que... Ah non, pas du tout. Alors là, Jérémy, je suis pas d'accord. C'est pas parce que t'as la coupe de Pocahontas. Parce que nous aussi, on l'a vu le dessin animé. Hein. Et d'ailleurs, demande à Bernard. Déjà, à l'époque de l'OM, Chris Waddell, il avait les cheveux comme ça. Non, mais exactement. C'est vrai. Bah, c'est depuis que je connais Bernard. Hein. J'ai décidé de faire la même coupe que Chris Waddell et Rudy Voller. Et paf! Trouvez le rapport hein, avec Philippe Risoli. Enfin bref, Le Juste Prix, je vous rappelle rapidement la règle. Trouvez Le Juste Prix. C'était super compliqué. Mais... Non, mais c'est pour ça que ça a marché. C'est pour ça que ça a marché, la règle. Attention à la marche, il faut faire attention à la marche. À la marche. Dans Juste Prix, il y avait aussi des cascades, il y avait aussi des fous furieux qui participaient parfois. Il y avait aussi les filles qui présentaient la bague. Il y avait des... C'était génial, ça. Il y avait des jeunes filles... Tu te rappelles? Moi, j'étais en primaire, ça, j'étais comme ça, quoi. Elle montrait la voiture, elle faisait comme ça. Il était en voilà. primaire. Il était en primaire. Mais tu es en quoi, maintenant Mais j'ai envie de dire, con de jeune. Toute la soirée, tu vas nous dire, j'avais 8 ans. Et nous, on est en train de se dire, mais nous, on avait quel âge à l'époque? Petit cours de jeunes! Non, parce qu'il y a les jeunes et il y a les vieux. Moi, c'est pire, je faisais les voix off de Philippe Risoli. Et maintenant, Le Juste Prix présenté par Mélanie. Et c'est moi qui faisais également les bandes annonces. Ouais, ouais, les voix off. Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Alors? 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 Ça, c'est de l'anecdote. Et ça voilà. Ça vous embouche un coin. Hein. On va regarder, non, maintenant. Oui, vous voulez nous en parler un peu aussi? Bah, non, je pense que ça va, là. Hein. D'accord. La coupe est pleine, on va regarder. Et maintenant, Le Juste Prix. Monique Basse-Coulard, Dorval. C'est génial, ça. J'adorais ça. Ah ben ça, j'en reviens pas, hein. Ah, c'est super, Philippe. Voici Grace Fonseca Campos qui habite Gironville. Le temps que Grace arrive, je vais moi-même tenter un petit pénalty. Voici maintenant Cyril Raffaelli qui arrive de Bordeaux. Moi, je pense que, à mon avis, il s'est fait vraiment mal. Hein. Parce qu'en fait, tu peux pas jouer, il peut pas jouer, Cyril. Bonjour, Cyril. Ici, et là, et là. Allez vérifier. On va voir le nombre de bonnes. Hop là. Ça va? Appuyez. Bravo, Gérard. C'est votre épouse qui arrive, là? Eh bien, vous pouvez l'emmener. Hop. Ça va? Vous êtes
12 200. C'est moins. 17 100. C'est moins. 16 900. Mais non, c'est plus. Bah merde, 17 000. Oh bah comme vous dites. 21 900. C'est moins. 21 800. C'est moins, mais c'est fini aussi. Oh merde. Oh. 27 960. C'est moins. 27 955. C'est bon, 27 955. Oh là 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 là, là. Oh, oh merci. Oh. Le Kenya. La Rose Nelson. T'es gagné. 35 000. Stop. Où elle va, mais où elle va. Oh, les gens, c'est un ouragan. Oh, mon Dieu. Vous qui aimez les gamelles, hein, on a eu des belles. C'est pour ça qu'on est obligé de les prévenir. C'est pour ça que dans l'émission de Jean-Luc, on leur dit attention à la marche. Hein. Voilà, c'est le meilleur du pire des jeux à la télévision avec Mélanie tout au long de cette soirée. Mais je voudrais qu'on rende hommage à Adi Cordy. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Merci, parce que j'ai lu un truc incroyable, c'est que vous êtes mondialement connu. Et j'ai même appris qu'en 57, les Américains vous réclamaient pour jouer dans un grand truc et que vous n'avez pas voulu à cause d'une histoire de hamburger. Non, parce que mon mari il trouvait qu'on mangeait très mal en Amérique, alors voilà, on a refusé, puis c'est tout. Voilà, Spielberg lui a proposé un rôle, il a dit, moi les fast-food, on n'en veut pas. On n'en veut pas, alors non. Ton Jurassic Park, tu te gardes. Américains, non, terminé. Alors, on a voulu montrer quelques images parce qu'on a tous... aimer vos chansons, ils n'ont pas grandi avec vos chansons, Jérémy. Je dis plus rien. Hein? Non, parce que c'est... Laisse tomber, j'ai on plus est, rien. On essaye d'être élégant, on essaye de... Je dis plus qui rien. Qui n'a pas dansé sur La Bonne du Curé? Oh là là. Qui ouais. n'a pas flirté sur Tata Yo-Yo? Oh là. Qui n'a pas emballé sur Choc Cacao? Choc Cacao. Hein? On peut dire que dans l'histoire du clip français, il y a eu un avant et un après Adi Cordy. Et d'ailleurs, MTV n'a qu'à bien se tenir, car voici une compile des plus grands succès d'Adi Cordy. Ça va les petits enfants? Oui. Rire, il faut rire. Les gens ne veulent mourir que de rire. Je voudrais mettre une mini jupette et un corsage à trou trou. Mais Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Cacao, attention. Chocolat. Alors, j'adore. Ce qui est formidable quand on voit ces images, c'est que sur l'instant, on se dit « Oh, mais je me souviens qu'elle avait une tasse sur la tête !» Mais vous adoriez vous déguiser. Qu'est-ce que vous avez aimé, le déguisement? Ça. Ça me fait penser à Joséphine Baker. Mais il y avait toujours des... De exactement. J'en ai jamais aimé de banane. Est-ce que, vous, autour de cette table, vous aimez vous travestir? Enfin, vous déguiser enfin... Je passe. Gérard? Je passe. Non, mais vous... Non, vous avez le droit, hein. Mais dans les films, on a le droit, nous. Donc non, mais dans la vie, est-ce que vous aimez aller au bal masqué, tout oui, ça, oui. Moi, j'adore me déguiser. Bah oui, j'adore déguiser mes enfants, faire plein de conneries à la maison. Quel est le déguisement que vous rêveriez de porter? Celui d'Arthur. Non, de Isabelle, de Thierry Lafronde. Ah, moi, oui. J'avais la panoplie de Thierry, moi. Là, t'étais pas né. Vous étiez déguisé en Thierry Lafronde? Et avec une vraie fronde que j'ai jamais pu utiliser. Mais vous aviez le petit collant moulant? Absolument tout. Mais comment vous faisiez avec le petit collant moulant? J'étais très petit. Bernard? Thierry Lafronde. Thierry Lafronde aussi? Thierry Lafronde, Pocahontas, en quoi? Non, moi, je voudrais le costume de Mickey. C'est vrai. Ah, j'adore, ouais. Pour me prendre des tartes par les gosses toute la journée. Là, tu seras obligé de remonter ton pantalon, hein. On va rester dans le costume, mais cette fois-ci, nous allons entamer la séance casserole, puisque là, Jean-Luc... Non, mais c'est vrai. Je ne comprends pas. Vous connaissez le succès de notre émission. Une bonne émission, c'est un public en or, des invités en or et des casseroles en or. Ouais. Alors vous avez fait comédien à une époque, hein.
Ah, bah oui, quand je suis arrivé de Toulouse, j'ai fait un petit peu tout, j'étais intermittent du spectacle. Non, mais commencez pas à vous justifier. Du tout. Parce qu'à chaque fois, les gens disent oui, mais j'avais besoin de manger à l'époque, il fallait que je. Mais non, c'est... Mais j'ai commencé comme comédien à Paris. Ça fait partie ouais. de votre expérience comédien, de, oui. de jouer dans la série Tribunal. Ah oui. Ah oui, ah oui. Oh là là. Oui. Non, non, mais j'étais la voix off aussi de Tribunal. Aujourd'hui, le juge Garonne va vous raconter une bien sombre histoire. Vous vous rappelez de ça? Oui, hein? Mais là, c'est pas la voix off du tout, là. C'est la voix off plus le corps qui va avec. Ah. Et c'est pas un hologramme. C'est la voix in. Parce qu'à l'époque, dans la série Tribunal, on voulait savoir, non pas qui avait volé l'orange, mais qui avait volé le bébé tigre. Vous ah, vous en souvenez? C'était mon premier rôle, mais le tout premier rôle de comédien. Non, mais c'est pas de... grave. Non, mais... Je suis très, non, mais je suis très, très touché que vous ayez. Ah oui, bah, touché, oui. Je crois que c'est le mot. Hein. je les ai pas vus depuis 10 ans, les images. Ah mais on les a vus nous au bureau, c'est bien marré. Hein. Voilà, c'est une casserole pour vous, Jean-Luc. Ce soir, c'est moi qui régale. C'est un très très bon souvenir. Et là, vous qui êtes metteur en scène aussi, posez-vous la question de savoir pourquoi. Pourquoi vous ne le prendrez pas? Pourquoi ils l'ont pris peut-être? Pourquoi ils l'ont pris? L'épisode s'appelait Lola mon amour. Eh ben, regardez. Pourquoi avez-vous emmené ce bébé tigre avec vous? Ça a été plus fort que moi. Le cirque, c'est difficile de le quitter tout à fait. Là, avec le tigre, j'avais de nouveau la possibilité d'être moi-même. C'est terrible. Oh, la je m'étais déjà attaché. Croyez-moi ou pas, mais prendre ce petit tigre malade, c'était pas seulement pour vaincre un sentiment de faiblesse. C'était tellement plus. C'est beaucoup plus. Alors Bernard, je souhaiterais qu'on demande l'avis d'un professionnel. Non. Gérard, vous qui avez l'habitude de faire des castings de comédiens, si vous aviez à vous prononcer sur Gérard, ce qu'on vient de voir. Gérard, allez-y franchement. Hein. Non, c'est tourné très vite. Hein. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de textes, c'est tourné très vite, il y a une prise. Mais quand même, il est mieux comme présentateur. Vous savez pourquoi personne ne s'engage à se moquer directement? C'est parce que dans cette émission, tout le monde sait qu'il y a la deuxième casserole qui arrive par derrière. Chacun va en prendre. Ah ouais. Hein. Alors, Jérémy, vous avez eu la chance de jouer avec Bernard dans une série télé, Valence, quand même, qui a cartonné près de 10 millions de téléspectateurs, c'est ça? Et comment il est, Gérard, sur un plateau de tournage? Gérard, je sais pas, mais Bernard, il est super. Bernard, c'est moi, Gérard. Bernard, pardon, excusez-moi, Gérard. Comment il est? Gérard, il est super sympa, on s'est parlé tout à l'heure et on s'est super bien entendu. Et Bernard, c'est... Bernard, en tout cas, le truc, c'est qu'il est perfectionniste. Ouais. Et que, bizarrement, tu peux pas jouer la comédie quand tu joues la comédie avec lui. Parce que t'arrives déjà, t'as appris ton texte, tu fais « Ah ouais ?» Il fait « Bah tu l'oublies, parce que moi j'ai pas appris. » Et après il te fait « Moi je suis le commissaire Valence, et toi t'es Nicolas Garnier. » Et puis alors là, il est commissaire Valence, quoi. Il est commissaire Valence, il est à fond dedans. Mais commissaire non, non, c'est y a marrant texte. De voir dans un rôle de commissaire. Oui. Hein. Non. Non. Pourquoi? Non, pas du tout. Parce que ça introduit... Non, mais je comprends que ça te surprenne. Non, pas du tout. Il a payé sa dette à la société. Et la société va payer ma dette. Non, mais... mais il est top. Non, c'est vraiment un môme ultra doué. Ultra doué. Il a une vraie nature et il donne beaucoup de choses quand il joue parce qu'on sent qu'il a en lui un vrai talent. D'accord. Eh bien, on a des extraits du making-of de Commissaire Valence, où vous êtes tous les deux, c'est très mignon, regardez. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Hein? Tu tires les sacs d'une femme, imagine que ça se passe mal. Elle tombe par terre, elle se fracasse la tête, t'es un assassin. Mais ça va, je... Badard. Pardon. Mais qu'est-ce qui va m'arriver, là? Eh ben, tu vas rencontrer le substitut du procureur, et elle va décider. Mais bon, je vais l'appeler. Comme la plainte a été retirée, ça ne sera pas trop grave. Mais ça veut dire quoi, ça va pas être trop grave? Eh ben, ça veut dire qu'au lieu d'aller en prison, tu vas retourner à la DDS. À la DDS. Ça veut dire quoi, ça sera pas grave? Ça veut dire qu'au lieu d'aller en prison, on veut te reconduire à la DAS. Voilà. Ouais, bah la prison, la DAS, de toute façon, c'est la même chose.
toute façon, je m'en branle. Je vais... Alors d'abord... Dis pas je m'en branle. Non, ça, c'est un peu... Voilà comme il oublie son texte. J'aimerais pas être commissaire. Tu vas plus en avoir. Mais il y en a plein partout, comment tu veux que je fasse? On s'est marré en vrai. C'est étonnant parce que le casting de la Starac, c'était quand il y a pour vous, vous avez démarré vos grands débuts? Il y a un peu moins de deux ans. Il y a moins de deux ans et déjà vous êtes sur scène, votre album se vend comme des petits pains, vous êtes en tournée, vous jouez au cinéma, c'est un truc incroyable. Bah ouais, c'est un truc de fou. Et vous n'avez pas changé, c'est ça qui est bien, c'est pas parce qu'il a réussi qu'il change son style, il s'habille toujours bizarrement. Il se coiffe, il donne toujours pas d'argent au coiffeur. Ça c'est, il y a un coiffeur qui a travaillé. Il manquerait plus que ça qu'il le paye en plus. Allez. Non mais on charrie, d'autant que pour Jérémy, son casting a été le début d'une magnifique aventure. Hein. Et pourtant, quand on revoit le casting, on se dit, mais il devait être bourré le jour de la sélection. Ouais, vous aviez 17 ans. Ouais. Et regardez avec quoi Jérémy est devenu la star que nous aimons tous. C'est qui ton ami? Qui tourne dans ce monde insolu? Et le bruit des pelles mécaniques qui construisent quoi? Faisons taire les mélancolies avec notre propre rythme et notre voix musique. Et que tout le monde se mette à chanter. J'aimerais que tu me trouves une autre posture pour la statue Star Academy. Pour représenter Star Academy 2. S'il te plaît. Merci. Merci beaucoup Jérémy, bravo pour la pirouette, merci. Hey. Non mais, franchement, c'est bien un début, hein. Hey, celui qui voit pas sur ce simple truc, c'est une nature, voilà, c'est et qui a derrière ça un vrai problème, oh, c'est, un vrai c'est problème, qu'il a rien compris. Non, franchement, on voit que c'est une nature incroyable. Ah ouais, ouais, à ah 17 bah, ans et demi, pour un casting, faire ça, c'est quand même vraiment... C'est vrai. Je voulais qu'on parle d'un sujet qui sont les cérémonies à la télévision. Il y a eu ces dernières semaines beaucoup de cérémonies. Est-ce que quand vous êtes invité à une cérémonie, vous réfléchissez vachement en avance à votre look, à la façon dont vous allez vous habiller, Gérard? Parce que vous êtes très élégant ces derniers temps. Non, non, mais c'est pas sur vous. Je sais pas comment suite. Le prendre. Oui, c'est ça. Non, mais vous dites, je veux voir une styliste. Oui. Bah oui, quand même. Clémentine? Bah évidemment, parce que quelquefois c'est pas bien de mal s'habiller, par exemple, pour le travail. Ouais. Non, mais je veux dire, après, ça a des conséquences très mauvaises pour le travail, je veux dire, de comédienne. Ce qui est très chiant, c'est que moi j'aimerais bien faire n'importe quoi. Non, mais sérieusement. Et puis on peut pas, parce qu'après on n'est pas. C'est mal pris par les gens du métier. Vous voulez dire que vous vous habillez vraiment, sobrement. Vous aimeriez mettre un peu de folie dans vos tenues quand vous passez dans les cérémonies, parce que. Mais vous ne pouvez pas, parce qu'il faut être sobre vis-à-vis de la profession. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est un traquenard. C'est pas un traquenard, mais parce que non, si, mais, si dans non. Les images qui vous suivent, vous trouvez qu'il n'y a pas de folie dans le look. Je sais ce que vous allez mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Vous allez. Je sais ce que vous allez mettre, mais c'est parce que j'avais pas reçu mon costume. Parce que. Mais je vous jure, c'est vrai en plus. Le pire, c'est que elle c'est. Elle devait être déguisée en Thierry Lafronde. Et c'est elle un quiproquo. Non, mais alors. On a retrouvé l'image du 7 d'or en 2000 et on a l'impression que ce soir-là, la styliste de Clémentine était en RTT, non? Je n'ai pas de styliste, ah bah voilà, c'est bien la raison. Voilà. Donc, et ce jour-là, elle a pris ce qu'elle avait, c'est-à-dire, vous vous souvenez du tutu?
Vous aviez un... Bon, moi, je vais... Vous aviez un tutu noir avec des... Non, je peux raconter quand même. Bien je sûr. Savais que c'était ce truc-là. J'avais un copain complètement givré qui m'a dit, viens, on va voir dans les costumes du théâtre Chaillot. C'est ça, c'est vous allez montrer. Et alors j'ai vu une très belle robe noire, un peu petite. Non, c'est-à-dire que c'est... Temps, si j'ai bien compris, la robe, c'est une robe avec un corset qui était pour la poitrine de Jeanne Birkin. mais qui n'était pas adaptée à la vôtre. On dirait un monstre, on dirait un catcheur, on dirait un brontosaure, on dirait un dinosaure, tout ça. Ah, franchement, je le trouve sublime. On dirait un catcheur. Oh non, c'est pas vrai. Moi, je rêverais que toutes les cérémonies françaises, les comédiennes ou les actrices et les chanteuses viennent sur scène habillées comme vous l'étiez. Parce que quand on regarde les cérémonies américaines, elles sont toutes sublimes. Et les Sharon Stone, et les Dickies. Pas, tu peux essayer, et nous, elles sont toutes tristes avec les cheveux sales. Alors, donc vous... Non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez vu les Césars, la tristesse. C'est tout juste, ils sont pas contents de gagner un truc. Sérieux, moi, alors que vous, vous êtes là, vous êtes généreuse et vous pouvez allaiter toute la salle tellement vous êtes belle ce soir-là. Regardez ces images. Je vous jure, c'est vrai. Je vais présenter le secteur de la meilleure émission spéciale. Nous appelons... Clémentine Célarier. Bonsoir. Je vous promets qu'au début, vraiment, je voulais avoir une robe normale. Non, je vous promets. En plus, c'est pas du tout... C'est énorme. Je voulais avoir une robe d'actrice, un truc discret, tout ça. C'est mes parents qui vont pas être contents. Non, mais je vais pas m'étaler là-dessus. On a autre chose d'un plus intéressant, tout ça, machin. Mais je vais juste... En fait, la robe n'est pas arrivée. C'est une robe de grand couturier. Bref. Et alors, j'étais dans les coulisses du théâtre. On est quand même dans un théâtre, en plus, le théâtre de Chaillot. Et les costumières, Kine et Janine, m'ont prêté une robe de théâtre. Voilà. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Et en plus, je suis venue pour le truc spécial, de l'événement spécial. Donc, c'est spécial, enfin, tout est spécial. Voilà. Je suis pas d'accord. Là, vous avez eu un souci avec les producteurs et tout. Je pose la question aux hommes qui sont autour de cette table. Elle est tellement généreuse qu'elle peut faire. Non, 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 moi, j'ai trouvé ça super. Gérard ? C'est très émouvant. OK. Bernard ? Non, non, je trouve que, d'abord, ça montre qu'il y en a peu qui peuvent à la fois le faire. Mais cette folie, j'adore. Sans que ça soit ni déplacé, ni... C'est vraiment chouette. Mais vraiment, je trouve que c'est dans ces moments qu'on voit la personnalité des gens qui peuvent faire des choses formidables sans se prendre au sérieux. Non, mais c'est vrai, sinon... C'est un moyen formidable de montrer ce qu'on est, au contraire. Le micro était un peu trop. Vous avez mis un petit tatouage et tout ça, et tout. Ouais, c'était génial. Le micro, il était mal placé. Non, vous êtes sauvé par le micro. Sauvé par le micro. Un peu mal placé, le micro. Je sais pas, le mec qui a fait ça... Non, mais moi, je trouve ça super. On va retrouver Mélanie et les jeux, et Mélanie qui aimerait bien mettre des robes comme ça. Franchement. Mais vous avez vu le micro qu'on est obligé de lui mettre pour que ça fasse de l'effet. Non, c'est... Respect, hein, vraiment, admiration et respect. Moi, je ne suis pas très produit lacté, mais là, vraiment... Ah, ouais. Ah, ça donne envie. Alors... Non, enfin, c'est une image, pardon. Au moins, moi, on me regarde dans les yeux, hein, là, il n'y a pas de doute. Allez, si je vous dis 8 ans d'antenne, 2500 émissions, 60 mariages, tournée une soixantaine manège. De bébés... Tournée manège. Bravo, même. Gérard. Tournée manège. Effectivement, on ne pouvait pas ne pas parler de tournée manège. Et forcément, hein, sur toutes ces émissions, il y a de très, très, très gros dossiers. Est-ce qu'ils sont très gros, les dossiers? Ils sont énormes. Ouais. Non, mais ils ont quand même réussi à se marier. C'est ça qui est le plus incroyable dans cette histoire. Mais c'était le but aussi. Oui, mais ce n'était pas gagné dès le départ. Hein, ah je bon? Vous promets, hein, regardez. Tu es le cafard. Vers qui te tournes-tu? Ton psy, ta maman ou ton chien? Ma petite amie. Ah, mais tu es censé être célibataire, là, aujourd'hui. Oui, mais il y a toujours une petite copine qui traîne quelque part. Mais Pierre, Thierry, ça fait deux réponses, vous avez tout faux. Ton petit ami n'arrive pas à assurer sexuellement. Quelle sera ta réaction? Bah, je change, hein. Tu changes? Bah oui. Dès le premier coup? Pardon? Ah, c'est pas normal, ça, hein? Jacqueline, je dois te faire un cadeau et je reviens avec un ensemble taille 42. Quelle sera ta réaction? Oh, bah, c'est pas possible que je rentre dedans. Alors, il n'y a pas de liberté sans... Sans quoi? Je suis d'accord.
Non. Bonjour, as-tu eu déjà des rapports avec un garçon ou plusieurs? Attends, tu veux savoir si j'ai déjà eu des rapports avec un garçon? Oui. Ou avec plusieurs garçons, oui. À la fois? Oui. À la fois? Tu fais du naturisme. Une guêpe vient te piquer sur la partie la plus sensible de ton anatomie. Tu cries à l'attentat, tu vas te cacher tout penaud ou tu demandes à une charmante demoiselle de t'enlever le dard? Je demande à une charmante demoiselle de me pomper le dard. Alors, ta maison brûle, mais il te reste le temps d'emporter un objet personnel auquel tu tiens. Lequel emportes-tu? Ma femme, si j'en ai une. Non, un objet. Les femmes objets, ok objet. C'est dépassé. Ouais. Alors, en dehors de votre femme, qui serait certainement ravie d'apprendre que vous la traitez d'objet. Ma tirelire. Ce soir, nous arrivons au restaurant, et là, je perds mon string. Que fais-tu? Perdez votre string? Ça m'embête un peu parce qu'en général, c'est moi qui les enlève. Tu vois, je préfère les enlever. Hein. 1, 2, 3 Oh, c'est génial. Elle est mignonne. Ils vont recevoir peut-être. Oui, venez, on peut venir ensemble. Venez. Ce soir, notre émission consacrée au bêtisier des jeux télé, merci Mélanie, on vous retrouve dans un instant. Et auparavant, je rappelle qu'en jouant avec nous ce soir, vous allez pouvoir gagner un ensemble téléviseur 16 9e grand écran et lecteur DVD offert par le magazine Télé Z. On accueille Sophia, la charmante Sophia Ram qui nous accompagne chaque mois. Sophia est installée chaque nuit sur Internet. Est-ce que vous êtes équipé Internet? Bernard, Jérémy, vous tous, est-ce que vous avez un ordinateur? Est-ce que vous allez sur Internet et vous surfez? Surfez. Vous surfez? On surfe. Vous surfez, Bernard? Oui, on chatte. Jérémy? Moi, je surfe, non. Non. Eh bien, Sophia va sur Internet pour nous. Absolument. Et pour commencer, un petit film qui est en fait une leçon de séduction. Vous allez voir, j'aimerais pas que ça m'arrive, même si au départ, vous allez voir, ça commence bien et ça se termine mal. Regardez. So, continuing with transportation, chapter 3... Prior to the wheel, the primary mode of locomotion for early man was walking. Though paleontologists have determined that various species, birds, animals, were used to extend man's range of movement. What is that smell? Tout en finesse, Sophia, tout en finesse. Alors. Oui, mais ça me permet d'avoir une super transition puisqu'on va continuer avec un petit chien. Vous allez voir, un chien avec plein de talent et puis ensuite un animal assez imprévisible. Ce sont deux publicités pour de la boisson. Hey, nice dog. Yeah, this is Piper. You're a bred border collie. Watch this. Piper, fetch. Good boy, Piper. You're such a smart dog. So, what can your dog do? Fergus? Yell no. Romantic. Well, it's about to get a little bit more romantic. A little candlelight. Oh. And a little bell note. Do you smell barbecue? Ça va, c'est très joli. Vraiment, pour la fine bouche, est-ce qu'on peut remettre la dernière, Serge, parce que... This is so romantic. Well, it's about to get a little bit more romantic. A little candlelight. Oh. And a little bell note. Do you smell barbecue? Oh. Et
Le plus drôle, c'est de se dire le créatif qui a eu l'idée un matin en écrivant ça. J'ai... Non, moi, je pense que ce qui est le plus gonflé, c'est le client qui a accepté. Oui, c'est vrai aussi. Sophie, il y a autre chose. Oui, on continue. On connaissait les lunettes qui déshabillent, on connaissait les lunettes qui font voir la vie en rose, on connaissait les lunettes qui servent à bien voir, mais on ne connaissait pas les lunettes qui exaucent les fantasmes. C'est une publicité pour des lunettes aussi. Regardez. Autre chose, Sophia. Ah, c'est un régal ce soir. C'est un bonheur ce soir. Merci. Pour terminer, une publicité pour des chips qui rendent la vie un peu plus pimentée. Vous allez voir, du piment, on en prend plein la figure. Regardez. Merci Sophia, nous marquons une première page de pub. On se retrouve juste après avec plein de surprises et nos invités. A tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus si vous voulez nous rejoindre dans cette deuxième partie des Enfants de la Télé placée sous le signe des jeux. Des jeux et leurs bêtisiers, toujours accompagnés de nos invités très très en forme. Et si vous le voulez bien, nous allons démarrer tout de suite avec un bêtisier, puisqu'il fait partie de nos invités, un bêtisier d'Attention à la Marche, histoire de rendre hommage à Jean-Luc Reichmann et à ses candidats. Regardez. Combien de partenaires sexuels ont les Françaises avant leur mariage? 38, j'ai marqué. C'est une bonne âge. Bah attendez, comment ça, c'est plus de votre âge? Mais si, c'est de votre âge. Combien existe-t-il de formes différentes de sexe masculin? Aline, vous avez mis combien, vous? Oh, j'ai rien compris, moi. Combien de... Je savais pas qu'il y en avait deux formes différentes. Je vous expliquerai. Hey, Jean-Louis, on se calme, hein. On est à la télé quand même. Je vous expliquerai. Ça se ressemble toujours à un moment ou à un autre. Est-ce que déjà, vous avez connu quelqu'un qui se parfumait le... Non, mais je suis en train de me dire qu'il y en a peut-être certains qui devraient le faire. Paf. Gilles, pour innover en amour. Ben, déjà, faudrait que j'aie une petite amie. Ah oui, Et ouais. Et la dernière fois que vous aviez une... Non, c'est bon, c'est pas trop longtemps, ça fait un mois et demi. Un mois et demi? Ouais. Et depuis un mois et demi, vous innovez... Tout seul. Tout seul. Situation un peu cocasse, vous, en faisant le... Oh, si je le dis, il va me tuer. Et puis, j'ai le proviseur du lycée qui va, il va peut-être me poursuivre. En... Pourquoi le proviseur du lycée? Ben, on a cassé le lavabo des toilettes. Et oui. Toilettes du bâtiment C, s'il veut savoir. C'est le bâtiment des langues, en plus. Des langues. Et il lance un regard, mon mari va me tuer. C'était pas moi, hein. Comment c'était pas lui. C'était pas lui. Hey, c'est terrible. C'est un peu lent. Elle raconte une anecdote et elle s'est aperçue qu'à la fin, c'était pas avec son mari. Ouais, ouais. Bon, sinon, Gérard, j'avais une question à vous poser depuis très longtemps. À propos des bronzés, quand vous faites masser, à un moment, vous avez un vrai fou rire? C'était un vrai fou rire. Mais cette scène, je crois qu'on l'avait écrite parce qu'il nous était arrivé, cette scène-là, dans,
je crois que c'était en Turquie, dans un Club Med, où on avait voulu se faire masser, et c'était très ambigu, quoi. Alors, regardons ces images, et vous allez voir que Il me faisait un mal de chien, et c'est ça qui les faisait rire. Je crois qu'il y avait deux caméras, et le fait qu'il me tire les poils les faisait beaucoup rire, ces crétins. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on sent que tout le monde se marre, sauf vous. On sent que vous avez vraiment mal. Merci, Léa. Merci. C'est bien, ça. Magnifique, hein. Ah, c'est irrésistible, c'est irrésistible. Mais il faut être sportif pour faire ça. Ah oui, oui. Oh. Faut être souple, surtout. Faut avoir du souffle. Ouais. Je voudrais qu'on parle du film pour lequel vous êtes notre invité ce soir, Les Choristes, qui est un très joli film que j'ai eu la chance de voir et qui sort mercredi prochain sur les écrans, qui est un film où on vous voit différemment que dans Les Bronzés. Là, c'est pas vraiment une comédie. C'est une très belle histoire. Vous voulez nous en parler? Il y a des rires, des sourires. Ah oui, on rit. Il y a des moments où on rit même beaucoup, souvent. Mais c'est vrai qu'on rentre dans une atmosphère extraordinaire. Vous êtes pion dans ce film, et puis vous allez convaincre des élèves d'un pensionnat un peu difficile, et vous allez créer une chorale qui va faire sensation, et surtout, c'est un film bourré de, j'ai envie de dire, d'amour, de tendresse, beaucoup d'espoir, et je veux vous dire un truc que je ne voudrais pas dire, j'ai pleuré à la fin. Mais oui, j'ai beaucoup pleuré à la fin. Il n'y a pas de mal, hein. Quand ils vous jettent le seau d'eau. Il n'y a pas de mal, il y a quelques critiques qui n'aiment pas s'émouvoir, mais d'une manière générale, là, le film est extrêmement bien accueilli. Je suis très heureux. C'est un film de Christophe Baratier avec François Berléand. C'est une très, très belle histoire. Boule d'hume, comme on dit, bouleversant d'humanité. Ce petit bonhomme qui a un peu raté sa vie, un prof de musique un peu raté, comme ça, qui, au lieu d'être comme Berléand, le proviseur, qui est une saloperie, va mettre toute son énergie à essayer de faire que les enfants réussissent leur vie à eux. Et ça, c'est très, un film très généreux, quoi. Allez voir ce film. Il sort le 17 mars. En voici un extrait. Bonjour, je suis Clément Mathieu, le nouveau surveillant. Je vous montre aussi le journal de Clément Mathieu, qui est l'origine de l'histoire, en fait, c'est le début du film. Et puis, je vous invite à découvrir cette bande originale qui est très belle, voilà. Si vous aimez la belle musique, c'est très... c'est la musique qui est à l'opposé de ce qui se passe à l'intérieur du pensionnat. C'est un échappatoire, la musique, quand même. En tout cas, bravo. Moi, j'ai été ravi de voir ce film. Merci, Gérard. On va retrouver tout de suite nos jeux avec un jeu culte que nous avons tous vu au moins une fois. Mélanie, il s'agit... D'une famille en or, évidemment. On ne pouvait pas ne pas parler. Surtout des questions et des réponses en or d'une famille en or. J'en ai une petite pour vous. Quelle partie du corps humain les chiens mordent-ils le plus, à votre avis? Leur queue. Du corps humain. C'est incroyable. Ah oui. Donc... Mais vous n'êtes pas le seul. Non, mais Gérard est prêt, justement, hein, pour participer à autant d'imagination que les candidats d'une famille en or. Regardez. Du corps humain, bien sûr. Bien sûr. Voici votre question, chers amis, c'est la première. Quelle partie du corps humain les chiens mordent-ils le plus? Anne-Marie. La queue. Ça, et d'ailleurs... Du corps humain. Hey, tu vois, voilà. Franck, qu'est-ce que les gens devraient éviter de faire en public? Se disputer, se quereller. Se quereller. Bien. Linda. Répétez, je vais dire rôter. C'était quelque chose de très personnel que l'on ne prête à personne. Son lit. Son lit. Plus droit à l'erreur. Marie-Charlotte. Des tampons. Bon. Bon. Pourquoi vous vous cachez, Marie-Charlotte? Pourquoi vous vous cachez? 5 questions, 200 points à inscrire, 30 000 francs à gagner. Une question ne vous convient pas, vous dites? Je me casse. Je passe. Autant pour moi. Non, mais vous pouvez vous casser si vous voulez. Hein. Lors d'une tempête en mer, quelle peut être la hauteur maximale des vagues? 1000 mètres. Quel est selon vous le numéro le plus dangereux au cirque? 69. Oh, je comprends. Si vous étiez joaillier, quelle femme française célèbre serait une bonne cliente? Catherine Deneuve. Selon vous, combien y a-t-il de sages-femmes en France? 10 000. Quel hors-d'œuvre pourriez-vous...
elles sont nulles, ces questions. Annette. Elles sont nulles, ces questions. Vous avez raison, Annette, elles sont nulles, mais j'y peux rien. Oh là là, et puis le 69, comment je l'ai sorti? Que fait une femme lorsqu'elle parle au téléphone à l'homme qui l'attire? En L apostrophe. Il vient de comprendre. En l'homme qui veut l'attirer, si vous voulez. Pardonnez-moi. Allez-y. En l'homme qui cherche à l'attirer dans ses filets. Que fait la femme? Je répète, que fait une femme lorsqu'elle parle au téléphone à l'homme qui veut l'attirer dans ses filets? Ah là, il est un peu perdu, hein. Alors, ce qui aussi est le symbole de ces émissions de jeu, ce sont les explosions de joie. Voilà. Alors, on a trouvé, je crois, Mélanie, la version américaine. Hein. La version américaine, alors, c'est a priori, hein, c'est le même décor, le même pupitre, il y a le même tableau qui fait cling, il y a le Laurent Cabrol quasiment, le même costume, mais c'est limite, enfin, moi, ça m'a fait penser à Vol au-dessus d'un Nice-Coucou, alors que c'est qu'un jeu. C'est-à-dire que la candidate pète un câble. Ah bah tous, non, c'est très, très explosif. Il leur demande de péter les câbles. Là, on ne peut pas demander quelque chose comme ça. Je crois que le meilleur des comédiens n'y arriverait pas, Gérard. Il leur demande de s'exprimer. Donc, ah oui, alors là, il s'exprime. Elle avait besoin d'exprimer des choses en elle. Alors là, ça sort, et pour notre plus grand bonheur, regardez. Brush your teeth, go down the Toute la famille est en joie. Toute la famille est en joie. Je voudrais qu'on parle. Tout à l'heure, Annie, regardez cette magnifique transition. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous rêveriez de faire de la pub pour des bons becs. Et vous êtes gourmande, hein, c'est ça? Oui. Il y a des gourmands et des gourmandes autour de cette table? Ouais. C'est vrai, Clémentine? C'est quoi, ces gens en chips devant tout. La télé? Tout? Tout ce qui moi, passe? Mais moi, toi aussi, non, mais on parlait de pub. Non, mais je parle de nourriture. Gérard, vous voyez le mal partout ce soir. Hein. Mais c'est pas moi. Il est chié, lui. Beaucoup de choses avec beaucoup, ouais. C'est vrai? Ouais, bah oui, c'est normal. T'as le cassoulet, par exemple. Un peu une ogresse, oui. Et Annie, vous êtes tellement gourmande. Oui, moi je suis gourmande, je peux manger des légumes comme ça. Non, parce qu'on a un peu les images, vous êtes très, 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 très gourmande. Hein. Non. Alors, oui, ça a passé sur la RTBF. Alors, on a trouvé des images de 72 où vous goinfrez de pâte molle là, qu'on met dans la bouche. Ça j'adore, la guimauve. Oui, voilà, la guimauve. Et alors, je ne sais pas si à ce moment-là vous étiez en train de faire une crise d'hypoglycémie, mais à un moment vous en mangez, vous en laissez pas pour les autres. Hein. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas une chance de s'évacuer du paquet. Regardez, c'est que du bonheur, ça date de 72. Et c'est Anne Gordy qui mange les bons becs. Il y a un grand jeu, Annie, c'est de ouvrir. Vous avez déjà fait ça? On ouvre la bouche et on sort. Vas-y, ouvre la bouche. Ah bah, je suis incapable de raconter. Ouais. Oh yes. Bernard. Oh, bah. Mio. On joue pas avec la nourriture. Hein. Pas mal. Jérémy. Ça devient... Jérémy, d'abord, vas-y. Hop. Mais on a vu. Mais vise bien. Mais t'as vu, c'était goal ou quoi? Ouais. Pas mal. Annie. Annie! Allez, vas-y! Annie! Excusez-moi, Annie! Non, vous pouvez le faire, Annie! Arthur! Non! Stop! On joue pas avec la nourriture, je rappelle que ce sont des bonbons périmés! Voilà! C'est de la guimauve périmée! Ce sont des cotons à démaquiller! Oui, c'est bon, hein, n'empêche! Hein. Ouais, 60, hein. Elle en a mis 60 dans la bouche! Hein. Tous les soirs! Tous les soirs! Pour chanter. Et à Bordeaux, par contre! Non, c'était pas ça! C'était Hello Dolly! Hello Dolly! Et à. Je sais pas où c'était. C'était plus des rappels, c'était des renvois! C'était à Bordeaux! Ah!
N'empêche qu'elle continue en gourmande à manger. Hein. En tout cas, bon appétit. Merci. Et on va retrouver tout de suite Mélanie qui va nous parler de ces bêtisiers de jeux étrangers. Voilà, bah oui, bon, juste pour le plaisir, on va faire un petit tour du monde des télévisions étrangères. Vous allez voir que le métier d'animateur peut comporter certains risques, surtout là-bas, vous allez voir. Regardons. 799 Mary Lee. €40. Yes! Hello and welcome to a brand new series. Oh, uncle! I'm going to keep going. I'm the steward. It's the beautiful Kirsten O'Brien. Ce qui est magnifique avec la dernière image, c'est qu'elle a ricoché, elle a rebondi sur les deux têtes. Il est temps de retrouver, merci Mélanie, notre jeu pour vous qui êtes dans le public. Vous allez pouvoir gagner un ensemble téléviseur 16 neuvième grand écran et lecteur DVD. Ainsi qu'à l'abonnement d'un an à TéléZ. Je vous rappelle que tout à l'heure, vous qui nous regarderez, vous aurez la possibilité de jouer pour remporter les mêmes cadeaux. Pierre, pouvez-vous nous expliquer et nous poser la question? Eh bien, la question, elle est que nous allons voir une image d'un film extrêmement connu. Et il y a notre ami Junio qui est là. Vous avez reconnu, le Père Noël est une ordure. Ouais. Qui est caché par cette tache brunâtre à droite? Alors, il y a Gérard Depardieu, Jean Reno et Christian Clavier. Voilà pour les trois propositions. Et la bonne réponse sera tirée au sort à la fin de l'émission. Vous repartirez avec tous les cadeaux suscités. Si vous me le permettez, je vais me tourner vers le beau gosse de notre émission ce soir. Vous êtes de retour sur scène au théâtre. On a l'impression que vous régalez sur scène, sur les planches, dans une pièce formidable qui s'appelle Un beau salaud. Oui, c'est un rôle de composition. Hein. J'ai rien dit. Non. Avec quand même un casting formidable, puisque vous êtes entouré de quatre jolies filles. Oui. Quatre? Sur scène, oui. Quatre jolies filles. C'est pas trop dur de jouer avec toutes ces femmes? Si, parce qu'elles sont toutes autant charmantes, attirantes, formidables, intelligentes, et elles ont toutes les vertus. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un problème. Ben oui. En fait, la pièce, c'est ce qu'on connaît dans toutes les pièces de boulevard où on a le mari qui a une femme légitime, une non légitime, une maîtresse qu'en veut une autre, enfin, qui passe sa vie à essayer de se démontrer qu'il a encore le talent de charmer les femmes et qui court après, il ne sait pas trop quoi. Il y a aussi une bonne... Enfin, je trouve, c'est... entre la plus jeune et la moins jeune, il y a beaucoup d'écarts. Un grand écart. Un écart de génération. Ah, de génération. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir que les femmes d'aujourd'hui peuvent, comme les hommes il y a encore quelques années, séduire des gens plus jeunes qu'eux, quoi. Plus jeunes qu'elles. Alors, on va quand même saluer le metteur en scène Jean-Luc Moreau. C'est une pièce de Pierre Cheneau et c'est au Théâtre de Paris. C'est important ça, oui. D'aller voir Bernard Tapie. Un beau salaud. Merci Bernard. On accueille Nicolas Gueye, mesdames et messieurs. Ça va Nicolas? Très bien. Bonsoir à tous. Nicolas est un chirurgien de l'image, c'est-à-dire qu'il regarde la télévision.
regardes ce qui se passe surtout derrière. Ouais. On va commencer avec des images avec Annie Cordy. Si vous voulez. C'était en 1978. Vous chantiez à l'époque dans chanson numéro 1, Boing Boing. Boing, vous vous souvenez, ouais. C'était les prémices des clips vidéo. On va vous montrer quelques petites images des problèmes de jupe. Et on va enchaîner avec des images aussi de téléfoot en Angleterre. Un peu spécial aussi. Hier comme aujourd'hui, la mode était aux jupes très très courtes. Vous allez voir. Ah oui, j'ai problème. Vous vous souvenez sûrement de ça. Pas facile de finir une chanson avec... Et votre jupe est décoincée, c'est ça? Oui, absolument. C'est sympa encore, les effets spéciaux. Et là aussi, c'était très très court. La jupe était très très courte, vous allez le voir. C'est assez furtif, mais on voit bien quand même. Comme quoi, c'est pas une question d'époque, hein. Bah, en direct, hein. En direct, facile de finir une chanson et de remonter en même temps sa jupe. On est un peu acrobates, vous savez. En direct, non, on est bien obligé d'assumer. Le téléfoot anglais, il ne faut pas regarder derrière, c'est carrément devant. C'est devant. Non, là, j'ai regardé plus devant. Il y a une image, là, quand même. Moi, je l'ai vu. C'est furtif, hein, il fallait regarder l'émission anglaise. Ah, oui. On a des cassettes, Gérard, vous en aurez. Des images du Big Deal, pour continuer, présentées par Vincent Lagaffe. Une émission où on prend beaucoup, beaucoup de plaisir à regarder. Et sur le plateau, ils prennent aussi beaucoup de plaisir. Et pas seulement les candidats, vous allez voir les animaux également. Vous allez comprendre. Non. Non. Ouais, alors ça, je sais pas le faire. J'ai essayé. Ça, c'est un truc que j'ai jamais pu. Voilà, il a pas vraiment vu au départ. Il paraît que le CSA n'a rien dit. C'est passé comme une lettre à la poste. Cette faculté qu'ont les animaux de faire ça en toute impunité comme ça au milieu d'un plateau de télé, ça nous viendrait pas à l'esprit, nous, sur une émission, d'aller dans un coin... À l'esprit, peut-être, mais enfin... C'est pas l'idée qui manque, hein. On continue avec le Super Bowl américain, des images que vous avez peut-être vues les uns et les autres. Janet Jackson et Justin Timberlake chantent en duo. Ah, oui. Et là, il se passe un petit incident. Donc on ne sait pas vraiment s'ils ont fait exprès ou pas. On a notre petite idée, en tout cas aux enfants de la télé. Ce qui est sûr, c'est que ces seins sont des vrais seins et n'ont pas été refaits. Ça, on en est sûr. On regarde les images. Tiens. C'est parti. Avec plaisir. Donc pour l'instant, jusque-là, tout va bien. Hein. On a l'impression quand même que Justin Timberlake lui fait un petit signe à un moment. Il tire sur sa veste comme s'ils avaient prévu quelque chose. Vous allez voir. Voilà, à ce moment-là, et dans les secondes qui suivent, c'est là où a lieu l'incident. Et voilà. Donc ça a été assez furtif, mais il s'est quand même passé... Ça dure une seconde, hein. Et ça fait un scandale dans le monde entier, aux États-Unis pour une seconde. Et en plus, on voit pas le sein, puisqu'il y a une étoile de shérif dessus. Il y a un truc qui est un velcro. Oui, c'est ça. Il y en a un qui a pas marché. Je me souviens de Clémentine Salarié une fois. C'était au 7 d'or, elle avait une robe noire. Non, mais moi, je ne peux pas montrer le sein. Elle était très décolletée. Et l'ennui, c'est qu'il y avait micro là. C'était terrible. Elle est contente, Clémentine, qu'on ait ressorti cette image. Hein. Non, mais j'assume tout ce que j'ai fait. On l'assume, elle a raison. Vous savez qu'on vous adore. Hein. Merci. On va vous gâter ce soir. Nicolas. Pour finir, c'est un petit peu délicat. Je voudrais rendre hommage à un animateur de cette chaîne qui prend des risques pendant ses émissions. Ah, Jean-Luc. C'est pas Jean-Luc. C'est une émission qui a lieu tous les soirs sur TF1 de 19h à 20h. C'est un animateur qui ouvre des boîtes. Enfin, qui fait ouvrir des boîtes. Ça s'appelle Apprendre ou à laisser. Et... C'est devenu une habitude, une sale habitude de me charrier dans ma propre émission. Je sais pas ce qui se passe. Vous êtes un petit peu le Rémi Julien du PAF. En revanche... Ah, c'est vrai que Rémi, ça te va bien. En revanche, c'est un animateur qui surestime un petit peu son physique. Vous allez voir, il a des petites faiblesses dans les jambes ou alors c'est les lombaires, je sais pas. Mais si, parce que quand même... On a plus 20 ans. Il y a une petite faiblesse dans la lombaire. C'est quoi ça? C'est... Ben, on va regarder. C'est la mymnose qui fait les faiblesses dans les vertèbres. C'était juste avant. Il s'entraînait.
petite souris, je vais te donner du gâteau. Viens voir, petite souris, comme il est bon, comme il est bon. Bon, jusque-là, ça se passe bien. Non ! Mon Dieu. Aïe ! On n'est plus aussi musclé qu'avant. Il faut refaire des poids. Aïe, aïe, aïe. Ah. C'est moche de surestimer sa force. J'ai quoi? Je suis désolée, hein, mais j'aurais pu vous prévenir. Je suis pas assez physique, est-ce que ça a rien à voir avec vous? Je crois que je me suis pété un truc là. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà. S'il vous plaît. C'est une... Et Jean-Luc, tu ne me contrediras pas. Oui. C'est une situation extrêmement délicate. Oh bah attends, cette charmante pas. Demoiselle arrive vers moi et je vais pour la prendre dans mes bras. Et là, je vous jure que c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec la demoiselle. À l'oreillette, il y a un mec qui me dit, vous pouvez confirmer, c'est Nicolas, il y a un mec qui me dit, enfin le mec qui me parle à l'oreillette, il me dit, prends appui sur ta patte arrière. Il me dit. Oui, et pour pas forcer avec le dos. Au moment où vous voulez faire un effort et vous prenez un fou rire, mais au moment où je vais pour la prendre, j'entends dans l'oreille, oh. Et c'est impossible. Je pars dans un fou rire. Il y a peut-être une gueuse de 40 kilos dans la boîte. Je sais, non mais c'est incroyable. Et donc, je ris tellement que j'ai plus de souffle pour la soulever. Dans la nuit de noces, tu l'as pas portée là, hein, c'est non, sûr. Non mais le problème de la nuit de noces, c'est qu'il faut bien être dans le sens de la porte. Voilà, hein, voilà. Sinon, ça fait mal à la tête. Alors, après qu'on remercie Bernard qui va nous quitter. Bernard qui est avec ses camarades de jeu, un beau salaud au Théâtre de Paris. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci Bernard. Une courte page de pub, on se retrouve juste après. A tout de suite. Bonsoir. Soyez les bienvenus, vous, si vous voulez nous retrouver dans cette troisième partie des Enfants de la Télé spéciale bêtisier des jeux à la télévision, en compagnie de nos invités qui sont vraiment très en forme. On rit beaucoup, on passe un agréable moment. Alors, est-ce que vous êtes joueur? Vous grattez, vous faites tous ces trucs-là? Clémentine? Non. Gérard? Je gratouille. Moi. Vous gratouillez? J'ai gagné beaucoup au loto parce que j'ai fait des pubs pour le loto il y a très longtemps. Ah oui, d'accord. On a calculé, vous avez réalisé près de 200 pubs et vous avez joué dans quelques-unes qui ont marqué la culture française. Il y a longtemps de ça. Oui, mais c'est le principe des enfants de la télé, c'est qu'on va chercher. Tu es né en quelle année, Jérémy? J'ai rien dit, hein. 80. 80, tu avais donc. Non, 84. 84, tu avais donc 11 ans. Quand cette publicité est passée à la télévision, deux qui vont vous régaler, une pour des sacs poubelles et une pour des pâtes. Des pâtes. J'ai fait ça aussi. Qui lui cru? Non, c'était l'hermine qui avait fait ça. Hein. Non, non. Oui. Ou alors il a mis un masque de Junio. Hein. Regardez. Oh, ça va, ça va. Enfin. Sac poubelle, glade. Voici la merveilleuse histoire de Georges Rabouin, dont la morne vie fut changée par l'agence matrimoniale Marie Vite et le gratin de pommes de terre Lustu Cru. Si facile à préparer. La femme de ses rêves, envoyée par l'agence, allait arriver. Et Georges Rabouin mitonnait le succulent repas. Comment serait-elle ravissante, comme dans les contes de fées? Hélas, la vie est moche. Et malgré ses 1m80, elle l'était également. Et pendant que le gratin gratinait, Georges dissimulait à peine sa cruelle déception. Mais tout à coup, et c'est à peine croyable, le merveilleux gratin produisit un miracle. Georges, tu m'intéresses. Gérard, tu nous intéresses, Gérard. C'était pas des pâtes, c'était du gratin. Du gratin, et je me suis trompé, vous n'étiez pas né, Jérémy. C'était en quelle année? C'était en 73.
Ah ouais, donc j'avais moins 9 ans. En préparant cette émission, je disais tout à l'heure, vous avez dit j'ai grandi en regardant les enfants de la télé et vous avez fait votre petit choix d'images qui ont marqué votre culture télé. Vous vous souvenez des images que vous avez choisies? Ah, il y en a une sûrement et c'est ma préférée. Ah non, il y en a deux. Il y a René. Ouais. Ah René, tu veux pas que je te garde le tour du cul non plus, René? Ça, c'est génial, ça. Je l'ai vu donc dans cette émission. Voilà ce que les gens retiendront de mes 10 ans de télé. Et il y a aussi, la jambe. Ah, le danseur qui se fait un claquage. Ah, c'est que Gérard, vous l'aimez, ce danseur. C'est mon truc préféré, mais c'est affreux, c'est très méchant. Non, ce qui est affreux, c'est que le danseur qui danse avec une tenue de danseur se fait un claquage, mais continue à danser, c'est un pro, il finit. Et il tape la mesure comme ça. Et puis aussi un fou rire de Anémone et Thierry Lhermitte. Génial, où ils étaient un peu bourrés, c'était trop bien. Pour vous tous, voici les images d'un enfant de la télé, Jérémy, et pour nous tous qui sommes des grands enfants de la télé. voici donc un petit caviar avec Ringo dans Midi Première. Ah, Ringo, génial. Ah ouais. C'est le classement de Jérémy. Hein. Ouais, la caméra. Je sais pas où elle est, je la vois pas. Je peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît. Voilà. Tu le mets derrière le truc, comme ça je le vois. Et puis je t'opère avec mon trou du cul par hasard. Non, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. Je vois pas où est la caméra. Bon, allez, tiens. La lumière, allez. Merde. C'est terminé. Ça tourne. Si tu veux m'arracher la terre qui m'a vu naître, je ne me battrai pas quand là elle est à toi. Ma maison pour la réduire en cendres. Ça c'est affreux, mais j'adore. Je pense que l'image du danseur restera vraiment l'image emblématique des enfants de la télé. Vous vous souvenez qu'on l'avait retrouvé, le danseur, c'est un Australien. Venir, hein. On l'a fait venir. Alors, on va parler de l'album de Jérémy. Et si vous êtes sage, juste après, Serge Calfon, le réalisateur, nous remettra le danseur. Moi, c'est le genre de choses. Plus on le voit, plus on y voit un nouveau truc. Vous l'aviez jamais vu, Clémentine? Non, jamais. Moi, elle a vu le début, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? On rit toujours de choses assez affreuses. Hein. Bah oui, malheureusement, c'est ça. Le claquage, c'est terrible. Ah oui, on a mal pour lui. Hein. Oui, mais on rit quand même, c'est ça qui est atroce. Bah oui. Mais j'ai envie de dire, pour un claquage et une souffrance, combien de bonheur, voilà. Combien de gens heureux. Ça vaut le coup de se casser le cul. Ouais. Alors, Jérémy, vous avez été en tournée dans toute la France avec... Les L5, ouais. Et puis c'était à l'occasion de la sortie de votre album que je présente à la caméra, un très bel album. Hop là, qui s'appelle Jérémy Châtelain, c'était plus simple. Hein. Bah comme ça c'est mieux. Comme ça on sait ce qu'on achète. Hein. Ouais. Il y a un nouveau single qui s'appelle J'aimerais. Et alors il y a une édition de ce single parce qu'il y a un CD-ROM qu'on peut mettre dans l'ordinateur, on voit des extraits du clip. Je sais pas très bien, mais je sais que tu mets dedans et ça marche. Il a pas d'ordinateur, voilà. Donc. Et alors, lui il est pas sur Internet, mais si vous achetez son disque, vous irez sur Internet. Alors vous avez composé 11 titres sur 12 dans cet album. Vous avez travaillé, paraît-il, 17 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est un peu votre bébé. Vous l'aviez toujours dit à la Starac, quand je sortirai, j'écrirai mon album. C'est le cas, vous êtes très heureux, ça marche bien. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez être Il n'arrive même pas à le dire tellement c'est émouvant. Vous allez être en concert au Casino de Paris, le nouveau Casino de Paris, les 4 et 5 juin prochains. C'est une scène à Paris après cette tournée. Jérémy Châtelain. Il y a des belles chansons, Vivre ça, Belle histoire, Laissez-moi. Et donc le nouveau single s'appelle J'aimerais. Et pour vous faire un petit cadeau pour nous tous, c'est pour Clémentine, parce qu'il y a une deuxième lecture aux danseurs. Pour que l'image soit encore plus drôle, imaginez qu'après le claquage, il prend sa main et il fait un petit signe pour dire « Je suis malade, mais je suis toujours dans le rhythm. » Regardez. C'est magnifique. C'est magnifique. Le claquage, c'est terrible. Ça va être très mal.
Il y a aussi, je crois que le costume et le ridicule un petit peu du personnage. Mais le costume, ça, c'est, on dirait un costume de patineur artistique, vous voyez ce que je veux dire, un peu, des costumes qu'on mettrait jamais dans la vie. Hein. Alors, puisque nous avons Jérémy, nous avons demandé à Pierre de nous parler d'une émission que vous n'avez pas pu voir, car vous n'étiez pas né. Ah, c'est pas de ma faute. Il s'agit du Schmilblick. Il s'agit du Schmilblick. Le Schmilblick est une émission qui avait été créée, inventée par Antoine et Solness et que Guy Lux a présenté pendant longtemps. Et ce mot était un mot difficile à prononcer. Bonsoir Guy Lux. Bonsoir Charles. Est-ce que dans le Schmilblick se trouve le mot tressé? Est-ce que le Schmilblick existe à une seule couleur? Est-ce que dans le mot qui compose le Schmilblick, est-ce que dans la définition du Schmilblick, est-ce que je pourrais mettre le Schmilblick? Est-ce que dans la définition du Schmilblick, est-ce que dans le Schmilblick? Bonjour madame. Mademoiselle, je n'en prie. Non, madame. Madame Roll, Roselyne de Strasbourg. Est-ce que le Schmilblick peut s'utiliser dans la cuisine? Répétez-moi comment vous dites le mot Schmil. Allez-y. Schmilblick. Ah, ça y est, bravo. Ah, en Alsace, c'est presque un nom du cru. Mais il serait injuste d'oublier le sketch magnifique qu'en avait tiré Coluche. En voici un bon extrait. Bon, candidat suivant, c'est monsieur. Bonjour, Gilus. C'est Papy Mougeau, de Cazard. Est-ce que le Allez, monsieur, s'il vous plaît, soyez gentil, nous n'avons que 5 minutes. Pas facile à dire comme nous. Alors, Simone, s'il vous plaît. Oui, Guy, le candidat suivant est une candidate. Non, non. Oh, excusez-moi, on ne connaît plus. Allez-y, posez votre question, monsieur. Est-ce qu'on peut pousser le Schmilblick? Oui, pourquoi? Pour le faire avancer, Bernard. C'est amusant. Merci, monsieur Simone. Oui, candidat suivant. Bonjour, Minux. Allez-y, posez votre question, monsieur. Bon, alors voilà, je voudrais dire à ZZ qu'elle aille directement chez René, parce que comme j'ai paumé les clés du camion, on va être emmerdé pour lui livrer la voix. On lui dira, monsieur. Enfin, alors, candidat suivant, s'il vous plaît, Simone. Eh bien, c'est monsieur. Ben, Gerlux. Monsieur Van Plot de passage à Cagère. Est-ce qu'on peut mettre le Schmilblick une fois dans le biberon des enfants? À quoi pensez-vous, monsieur? À des frites. C'est... Candidat suivant, Simone. Chagrin, moi. C'est monsieur Papy Mougeau. Alors, est-ce que le Schmilblick tient dans la main? Il tient dans la main. Admettons, à quoi pensiez-vous, monsieur? Alors, à rien. C'était pour faire avancer le Schmilblick. Alors, Pierre. Comme tous les jeux télé, on vient de voir le Schmilblick qui a été parodié, mais c'était à la base un vrai jeu. Et vous avez participé à une parodie du Schmilblick? Il y a très longtemps. Ah, il y a très très longtemps, c'était dans Ding Dong Dong. Avec Jean Valton, je me souviens. Vous en souvenez? Oui, je devais être figurant là-dedans. Oui. Alors ça date de 1970, et vous allez voir, il est tout jeune, il a une toute petite moustache ravissante, et vous allez voir comme il est content de passer à la télévision, c'est la parodie du Schmilblick avec Gérard Jugnot. Eh bien, nous sommes ce soir au Bourget. Amis du Bourget, ouais, vous entendez-vous? Bonsoir Guy, bonsoir Guy. Ah. Vous nous entendez? Oui. J'adore que le Schmilblick sera découvert. Nous aussi, nous sommes très heureux aussi. Une image délirante d'enthousiasme. Mais oui. Bonsoir. Ah. Bravo encore. Et à demain, chers amis. Vous avez quel âge là? T'es tout jeune. Ouais, je... Comme il sait, je crois. Mélanie, on va retrouver notre thématique de ce soir, les jeux. Les jeux. Les jeux, avec un jeu culte. Un grand classique, Interville. On a tous vu au moins une fois Interville. Et qui dit Interville pense forcément à Vachette, à vous, Guy Lux, ou à qu'est-ce que c'est que ce pataquès, Simone. Ouais. On oublie trop souvent les innombrables chutes des animateurs. Dieu sait s'il en a eu. Avec une petite palme pour le très svelte Jean-Pierre Foucault. Ah, Jean-Pierre Foucault, voilà. Qui à un moment tombe dans les boudins. Enfin, les boudins gonflables. Ouais, 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 et là, on a l'impression d'une tortue avec sa carapace. Il ne peut pas se retourner, vous allez voir. Jean-Pierre, pas plus vite, hein. Attention, Olivier. Oh là là. Ça suffit. Vous arrivez là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'un fou. Vous arrivez là. S'il vous plaît. Alors attention. Attention Olivier, la rachette. Olivier, attention. Olivier, ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il nous fait, le Thierry? Pas les livres. Ben voilà, direction assistée. Allez-y, sautez, messieurs. Vous allez devoir sauter. Oh, oui.
Voilà, deux... Venez les... Si on peut nous aider, voilà, c'est Jean-Pierre Foucault hein, que vous allez voir d'ici quelques instants avec Julien Courbet. Ça va Jean-Pierre? Ah bah voilà, Jean-Pierre Foucault, mesdames, messieurs. Magnifique, magnifique. Voilà, après ces images, j'aimerais que l'on parle de Mon Cabaret, le nouveau spectacle de Clémentine Célarier. C'est très compliqué, c'est à la fois, on a envie de tout dire. Non, c'est pas compliqué. Vous avez dit que c'est un spectacle tribu, c'est ça? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'était par hasard, une dame d'un petit théâtre qui s'appelle Les Saillons m'a dit, tiens, je te donne carte blanche. À moi, à ce moment-là, comme j'avais fait un album avec mes enfants qui va sortir bientôt, eh ben, j'ai dit à Abraham, mon fils aîné, je dis, tu veux pas venir faire un truc avec moi sur scène? Alors, Abraham, il fait du beatbox, tu sais, le human beatbox, la boîte à rythme avec la bouche. Donc, on n'avait pas d'argent. Donc, avec Johnson, un autre copain, ils font mes batteries humaines, si vous voulez. Avec la bouche. Voilà, avec la bouche. Et puis ils dansent, et puis ils rappent, ils ont fait des chansons, des textes, des trucs. Moi, je fais mes chansons avec eux. Et puis il y a Nicolas Bodino qui est au clavier. Mais et y a autour plein de copains, de nous, il y a la famille, il y a mon père, il y a mes autres enfants le samedi. C'est à 19h. Et puis voilà. Et c'est super. Mais quoi, ce spectacle est à l'image de Clémentine. Généreux, rêve, ouais, sympathique, délirant, musical, familial. Allez voir Mon Cabaret. La mise en scène de Clémentine Célarier. Avec en alternance, alors il y a Philippe Béglia, Martine Célarier, André Célarier, Manuel Durand, Catherine Griffoni, Thomas Gubitsch, Abraham, Pierre Zaoui, mais il y a tout le monde. Et c'est marrant parce qu'on sent que c'est un truc qui vous tenait à cœur. Depuis longtemps, et oui. Ouais. Vous êtes heureuse. Ouais, et c'est au Théâtre Le Temple, allez voir, c'est colossal. Et c'est du mercredi au samedi à 19h. Voilà. Vous le savez, cette soirée est consacrée au bêtisier des jeux. Dans un instant, une image très drôle tirée de l'émission du camarade Jean-Luc Reichmann. Attention à la marche. Auparavant, je remercie Gérard Jugnot d'être passé nous voir mercredi prochain. Allez voir Les Choristes, un film de Christophe Baratier. Allez voir ce film, vous y êtes formidables. C'est une très belle histoire, c'est toujours un bonheur que de vous recevoir. Et un petit cadeau avant que vous partiez, un autre bêtisier d'Attention à la marche. Dorothée, un horaire que vous ne pourrez pas rater. Moi, ce serait 20h. Parce que bah, c'est l'heure de la pilule. Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h. Tout de suite, Dorothée, n'oubliez pas de prendre votre pilule. Je suis tellement content pour eux qui se marient à l'âge de gaz. Peut-être qu'ils vont aller voir Céline en concert. Il paraît qu'elle, elle remplit pas trop en ce moment, alors... Ah, ça... Si vous pouviez lui donner un petit coup de main... À la remplir? Non! Une question me taraude. Ah! Qu'est-ce que vous faites après l'avoir fait la... Vous faites quoi après? Ah ben, je bois, parce que ça s'arrose. Des endroits fous, endroits insolites... Peut-être une fois sur une moissonneuse-batteuse. Oh, voilà. Sur la moissonneuse-batteuse, c'est-à-dire? Elle était arrêtée. Ah, bah, il vaut mieux. Tu as pas le coup que ça s'emballe, là, pouf. Est-ce que vous trouvez que c'est toujours trop court ou ça va, vous? Trop court... L'acte. Franchement? Ouais, attendez, on parle franchement, Rislaine, on se dit tout quand même. Bah avec lui, je sais que c'est vraiment court, quoi. Et au revoir, Jean-Luc! Au revoir, monsieur Jean! Merci, Jean-Luc! Merci! Bonne continuation! Mais bien sûr! Je le dis! Attention à la marche, le jeu qu'anime chaque jour Jean-Luc Reichmann. Et dans quelques instants, nous parlerons de ce livre où il y a les plus belles perles, les plus belles questions de votre émission. Hello, hello, soyez les bienvenus si vous venez nous rejoindre dans cette quatrième et dernière partie des enfants de la télé consacrés aux bêtisiers des jeux à la télévision en compagnie de nos très sémillants et charmants invités. Ce soir, c'est un peu le choc des cultures, des générations se rencontrent. La génération de Jérémy a rencontré celle de Annie Cordy. Ouais. Deux générations de chanteurs. Deux personnalités fortes et un point commun, le gel.
C'est vrai que vous avez trouvé votre ami, non? Ah bah c'est ma Pinko, ça y est. Hein. C'est voilà. Votre Pinko. Bah, c'est voilà. Ma meilleure amie, Annie Cordy. Voilà. C'est vrai. C'est vraiment un dingo, celui-là aussi. Hein. Et puis nous avons toujours en cheveux, tout en cheveux, la sublime Clémentine Célarier. Et l'excellent Johnny Freshman. Et puisque nous consacrons notre émission aux bêtisiers de jeu, nous voici prêts à accueillir un bêtisier du maillon faible. Denise, dans quel pays le chewing-gum a-t-il été inventé ? Hollywood. Les États-Unis. Jacqueline. Banque. Cette petite tranche de pain de mie garnie porte le nom d'une sorte de sofa. De quoi s'agit-il ? Croque-monsieur. Un canapé. Sandrine, à quel animal dont le nom commence par P fait-on référence quand on évoque des yeux porcins ? La panthère. Le porc. Poppy, en verlan, comment dit-on à fond ? Fond A. À donf. Alors Sandra. À donf. Quelle est la femelle du lièvre ? La levrette. Génial, génial, c'est génial. Mauvaise réponse. Bruno, dans le roman de Daniel Defoe, comment s'appelle le compagnon de Robinson Crusoe ? Février. Vendredi. Comment appelle-t-on les habitants de Périgueux ? Les Péruviens. Les Périgourdins. Au cinéma, comme en littérature, quelle est la nourriture favorite de Dracula ? Les poissons. Le sang. Marcel, avec quel homme politique français Ségolène Royal a-t-elle eu 4 enfants ? Marcel Proust. François Hollande. Marcel Proust. 6 x 2 égale 8. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Martine ? Employé de banque. Pardon ? Employé de banque. Employé de banque. Jean. Banque. Quel prénom masculin désigne aussi un maillot de corps ? Raymond, Marcel ou René ? René. Marcel. Ah, c'est terrible, là. Alors, vous aussi, Jean-Luc, on l'a vu depuis le début de cette émission, c'est un ravissement, il n'y a que des perles dans Attention à la marche. Et là, vous avez compilé les questions, parce qu'à chaque fois, vos questions démarrent par sur 100 Français, combien y en a-t-il ? Il y en a une qui est magnifique, c'est 54% des Français se sont déjà cognés la tête contre le mur en faisant l'amour. Ah, il y en a des magnifiques, attendez. Ah, attendez. Ce sont des choses. Ce sont des sondages. 25% des Françaises donnent un surnom au sexe de leur partenaire. Ça vous est déjà arrivé, mesdames, de donner un surnom, Mélanie ? J'ai Popol qui me revient parce que c'est employé très souvent par les hommes. Bah oui, mais eux-mêmes appellent leur truc Popol. Bah oui. J'emmène Popol au cirque. J'emmène Popol. Ah, attendez, Pierre, on n'amène pas Popol au cirque. C'est une expression. Pierre, on va voir les panthères. C'est magnifique. Mais c'est une expression que je connais depuis mon enfance. Ce soir, j'emmène Popol au cirque. Il y en a des vraiment bien. 13% des Françaises se sont déjà endormies en faisant l'amour. Ah, quelle horreur. Ah, c'est ça pas possible. Il y en a 26 dans la salle. Et comment voulez-vous qu'avec des questions comme ça, on n'obtienne pas des réponses rigolotes dans l'émission de Jean-Luc, qui est tous les soirs donc sur TF1. Non, tous les soirs, c'est vous de 19h à 20h. Ah oui, c'est vrai. Je rappelle que moi, c'est fini, mais c'est pas grave. C'est vrai ? C'est vrai, ouais. Ça va, vous ? Je sais pas si c'est le mariage ou quoi, mais... Oh, vous allez me lâcher. Non, c'est vrai, le midi, c'est attention à la marche, et le soir, c'est à poil. Apprendre ou à laisser. Ah, oui. À poil. Ah, ouais. Bon. Bien. Mélanie, on continue. Et cette fois-ci, vous avez un petit cadeau pour nous. Ce sont les images du Big Deal. Le Big Deal, c'est ça. À votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un visage Rubicon ? Un visage Rubicon ? Rougeau. Rouge. Voilà. Rougeau. Rougeau. Oui. Voilà, effectivement, ça signifie avoir le visage rougeau. Et là, vous allez voir à quel point cette question est tombée à point nommé à Vincent Lagaffe. C'est ça qui présente le Big Deal. Je vous répète qu'une fois de plus, l'alcool peut être dangereux pour la santé. Regardons. Puis-je connaître votre prénom, chère madame ? Madame G. En deux mots ? En deux mots ? En deux mots, Madame Léger. Oui. Mais votre prénom lui-même est ? Gisèle. Gisèle. Ouais. Très bien. Gisèle, vous êtes toute seule à la maison, là ?
Oui, enfin... D'accord. Vous êtes à table, là? Non, j'ai fini. D'accord. Vous connaissez le Big Deal? Oui. D'accord. Vous le regardez de temps en temps? Presque tout le temps. D'accord. Oh là là! Eh bien, écoutez, la question, elle est... Moi, je dis, elle est béton, celle-là, vous voyez? Oui. Il y a des fois, il y a des trucs qui vous arrivent dans la vie, là! Eh ben là, on est en plein dedans! Oui. Puis c'est moi qui dois assurer. Qu'est-ce que vous avez... J'allais m'annoncer, là. Gisèle, avez-vous un papier et un crayon? Un papier et un crayon, ouais, oui. Quelle est la particularité... d'un visage Rubicon? Quelle est la... particularité? Quelle est la particularité de Rubicon? Quelle est la particularité d'un visage... Rubicon? C'est une blague ou quoi? Non, non! Ah non, non, Gisèle, Gisèle, je plaisante pas. Je vous... Posez votre bière, Gisèle. Non, 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 mais j'en ai pas. Hein. Qui c'est cette affaire? C'était pas... Tout... J'avais pas toujours trouvé, moi. Ah bon? Ben non, mais j'avais dit Picon, moi. Ah ben ouais. Ah ben ouais. Bon, Gisèle, faut y aller maintenant, là. Je suis obligé d'interrompre cette récréation. Est-ce que vous avez la réponse? Et la gaffe, Petite Rivière. Pardon? Petite Rivière. Jean-Pierre Farotin, compris. Une petite rivière. Ah, une petite rivière! Eh oui, eh non. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas une petite rivière. Alors, c'est quoi, alors? Eh ben, alors, je vais vous donner la réponse. Oui. Puis si je suis obligé... la réponse était... Quel un est... cheval noir, qui me dit mon fils. Pardon? Un cheval noir. Oui. Normalement, normalement, dans quelques secondes, il y a un éléphant rose qui passe. Alors, Annie Cordy, il faut préciser... que l'alcool nuit à la santé, oui. Mais que des fois, vous prenez des cuites. Ah, bah oui. Bah ouais. Je t'avais dit que c'était ma meilleure amie. Ah, tu vois, on a pris un coup ensemble, c'est pour non, ça. Non, parce qu'on a retrouvé des images où vous étiez un petit peu... Ah, j'étais un peu... Bah, ça m'arrive, hein. Et alors, c'était à l'époque réalisé par Jean-Christophe Averty, là, c'est plus chaud cacao, hein. Non. C'est chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Et vous chantiez une chanson qui était un petit pied de nez à la sécurité routière, c'était « Non, 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 je veux pas souffler dans c'est le ballon ». C'est dans le ballon, voilà. T'as retrouvé ça, ça... Enfin bon. And why not? Voilà, Annie Cordy complètement pété, vous allez voir. C'est magnifique, c'est du caviar. C'était tiré d'une émission qui s'appelait Au risque de vous plaire et ça date d'avril 1970. Ah, c'était t'étais hier, pas non là, hein? Non, regardez. Encore là. T'étais pas là, mon chéri. Le soir, on a repris la route. Le coffre rempli de bon vin. On zigzaguait sur l'autoroute en sifflant de joyeux refrains. Non, non et non, je ne veux pas souffler dans le ballon. Non, non et non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Votre nouveau spectacle. J'adore le titre de votre spectacle. Il s'intitule « Que du bonheur ». Vous êtes accompagné de 5 musiciens. Oui. Vous chantez 17 chansons alternant vos plus grands succès avec des standards de la comédie musicale, du swing, du jazz. Mais j'ai été chanteuse d'orchestre quand j'ai débuté dans mon Bruxelles natal. C'était après la guerre, il y avait les G.I.s qui étaient là. Au Métropole, il y avait une très grande brasserie. On était au fond de la brasserie avec un grand orchestre, 14 musiciens. Et je chantais tous les standards américains. Oh, would you like to swing on a star? Carry moon means home in a jar. And the better of that one. Tout ça, je chantais tout ça. Alors, j'en remets dans mon tonneau chant, là. Allez. Je régale. Vous savez comment il s'appelle, le spectacle? J'adore. Il s'appelle « Que du bonheur ». Que du bonheur pour moi d'être là, parce que j'adore être sur la scène, et bon,
mais aussi donner le bonheur aux gens. Et partager, voilà. Je suis comme celle-ci, là. On aime partager. Je vais juste dire un truc. Moi, j'ai fait Madame Sans Gêne là, il y a 2 ans. Et c'est elle, elle m'a envoyé un... Elle a fait Madame Sans Gêne aussi, ouais, avant. Elle l'a, ouais, interprétée. Elle m'a envoyé un carton pour me dire merde. Et pour... Enfin, c'est une femme généreuse. Donc, c'est, voilà, c'est une grande dame, c'est vrai. Non, mais franchement, elle est magnifique. Que du bonheur. Au Trianon de Paris, allez voir Annie Cordy, qui est notre invitée. Pardonne-moi, je vais faire une tournée dans mon pays. Ah, en Belgique. En Belgique, oui, oui. D'accord, génial. Très c'est bien. Octobre, voilà. Nous irons vous voir. Mais j'espère. On ira s'éclater avec la bonne du curé. Alors, oula, la transition. C'est pas facile. Vous avez dit que vous allez parler de coupe de cheveux, et pourtant vous n'avez pas toujours été coiffé comme ça, Jérémy. Oh, grâce non. à la complicité de votre papa qui a tout balancé. Super. Nous avons reçu un petit mot anonyme signé de votre père qui disait « Je sais que mon fils rêvait de faire les enfants de la télé. Est-ce que vous pouvez diffuser les images qui vont suivre? Ça va le calmer un peu. » Et donc votre père vous a filmé une époque où ce qu'on appelle, vous n'aviez pas encore décidé si vous vouliez être comédien ou chanteur. Je D'accord. rassure nos téléspectateurs, il a bien fait de faire chanteur. Ou coiffeur d'ailleurs, hein, ou shampooineur, car nous remontons dans le temps, Jérémy, ambiance 19e siècle et boule à zéro. T'avais la boule à zéro là-dedans. Oh là là, on n'ose même pas le dire. Regardez ces jolis cheveux. Oui, mais il n'y a pas de l'argent. L'ancien propriétaire avait proposé d'organiser une vente aux enchères. Une vente aux enchères? De toutes les façons, je suis la plus riche. Et j'achète au-dessus. Quel personnage désagréable. Ces idées de couleurs orange, violet, jaune. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bien. Ah, il doit avoir 14 ans, t'as vu toi. Ça va bien. Ouais. Je joue mal. Ah ben c'est Oscar Sisto qui doit bien se marrer. Bon, on va rendre hommage à nos amis et téléspectateurs belges qui nous regardent et aux potes à la famille de Annie Cordy. Oui. Car voici à nouveau quelques images de bêtisier, on n'a pas pu s'en priver, de la télévision belge. Le chien t'aime beaucoup. Mais c'est pas possible. J'y vais, j'en ai marre de cette scène. J'ai le plaisir de recevoir Alexandre Bouglione, bonsoir. Bonsoir. Et vous n'êtes pas venu seul, mais avec un bébé fantôme. Et c'est pas mal, il s'appelle Rinaldo, il a 4 mois. Il a été élevé au biberon, dans la caravane, et c'est pour ça qu'il est très brave. Alors on l'a retrouvé. Oh là là, oh là là. Et venir, oui, par ici, hein. Pas trop monter. Lâchez-moi. Est-ce que c'est fini? Moi, je suis encore un petit tour. Bonsoir. Ah oh. Je veux bien prendre le rythme. Attention, on va y avoir la gueule. Merde. Oh là là, mon Dieu. Annie, un petit mot pour vos compatriotes. Un petit mot? Bah oui. Que du bonheur, tiens. Que du bonheur pour vos compatriotes belges. J'ai dans la main les bonnes réponses à la question que Pierre vous a posée tout à l'heure. Nous avions 3 propositions pour savoir qui était aux côtés de Gérard Jugnot. Clavier. Et la bonne réponse, c'est Christian Clavier. Que des bonnes réponses. Et je vais demander une main vierge. Allez. Ah bah c'est... de choisir le nom de ce lieu de sel qui va repartir avec un ensemble téléviseur 16 9e grand écran. Benjamin Gilbert, où êtes-vous? Toi, t'es le meilleur. Jérémy, restez là. Jérémy a créé une génération d'utilisateurs de gel. Vous êtes fan de Jérémy? Ça se voit pas du tout, hein. Vous gagnez donc un ensemble téléviseur 16 9e grand écran et lecteur DVD ainsi qu'un abonnement d'un an au magazine Télé-Z, mais ce n'est pas tout. Vous aussi chez vous, vous pouvez gagner la même chose. Regardez. Vous
aussi, vous allez pouvoir gagner un ensemble téléviseur 16 neuvième grand écran et lecteur DVD, ainsi qu'un abonnement d'un an à Télé Z qui vous propose les programmes de 100 chaînes câblées satellites en répondant à cette question. Pour participer, envoyez votre réponse sur le bulletin que vous trouverez dès lundi dans le magazine Télé Z ou répondez sur papier libre à l'adresse suivante: JETF1 Télé Z, les enfants de la télé, CEDEX 3939 99 393 Paris Concours. Je vous invite à regarder Jean-Luc Reichmann chaque jour dans Attention à la marque. Dans un instant, un dernier bêtisier cadeau. Ah, on a gardé le meilleur pour la fin. D'accord. Je voudrais remercier Annie Cordy pour sa gentillesse. Annie Cordy qui triomphe dans Que du bonheur, un spectacle musical au Trianon de Paris. Allez voir son cabaret. Mise en scène de Clémentine Sélarier avec une troupe formidable. C'est au Temple. Allez-y, c'est tous les soirs du mercredi au samedi à 19h. Allez voir ce spectacle. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Je fais un peu l'actualité de tout le monde et puis après on regarde le bêtisier. Jérémy Châtelain, 12 titres, magnifique, et le single. J'aimerais. Et c'est sympa d'être passé. Ah, ça fait plaisir. C'est vrai? Ah, vraiment. Et ben, le plaisir a été partagé. On va remercier Mélanie. C'est important, Mélanie, d'être passée nous voir et qui nous a brillamment préparé cette émission sur les jeux. Et enfin, mon Greg le millionnaire à moi, Pierre Magic Chaya. On va se quitter comme on a commencé l'émission, en fou rire, avec un bêtisier que nous offre Jean-Luc Reichmann d'Attention à la marche. Le sexe fait partie de la vie de tous les jours. Bien sûr. Bien sûr. Quand on peut. Bien sûr. Vous, la dernière fois, c'était... Oh, il y a déjà... Oh. Au moins deux ans. Ça marche plus, le bazar. Non, c'est... C'est bon, ouais. Eh ouais. Ça fait deux ans. Ouais. Ah, oh, putain, deux ans avec Bernard. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah ouais? Ouais. J'essayais le Viagra, les piqûres et tout. C'est pas vrai. Ouais, ouais, mais pas de putain, il prend un coup. C'est pas vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Et alors, finalement, le Viagra, ça fait... Ça a rien fait. Rien? Non. Une fois, par contre, j'étais voir l'urologue, il m'a fait une piqûre. Ah, alors attendez, attendez. Alors là, c'était du tonnerre. Ah. J'étais avec ma copine. Et Bernadette. Bernadette. Alors, on va voir le bonhomme, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je dis, j'arrive plus, quoi. Papa, il bande plus. Mais, non, mais, restons quand même... Ah bah c'est poli, c'est français. Enfin, papa, il bande plus, excusez-moi. On bon, dit, plus d'érection, quoi. Plus d'érection, voilà, déjà voilà. Plus d'érection, vous y mettez un dit, c'est pas compliqué. Ah, alors. Tu enlèves le slip, je te fais une piqûre. Oui. Puis ça montait, ça montait, ça montait. Alors je dis, oh, tu bip, t'as pas une chambre. Elle me dit, non, ici c'est la clinique, c'est pas le BNC, hein. Le bordel, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais je le non, mais j'aime le grand pas. Et alors, bon Pierre. Alors, on rentre avec Bernadette à pied. Alors, à pied. Puis plus je marchais au trottoir, plus ça montait. Je dis, dépêche-toi, dépêche-toi, on arrive à la maison. Au même moment, brum. Ah, j'ai dit, merde, ça m'a coûté 150 balles de piqûres, 150 balles de visite, ouais. Pour rien. 300 balles! Ouais! Non. Alors, le lendemain, je téléphone au Toubib, j'ai la secrétaire, elle me dit ça a marché, je dis non, ça n'a pas marché. Ah! Alors elle me dit. Bon. Faut remettre ça. Je dis oui, mais attention, je vais prendre mes précautions. Ah! On a pris la voiture. Oui. On a mis la voiture devant la clinique. Oui. Et m'a fait la piqûre tout de suite. Oui. Ah, un coup et demi. Et demi? Pourquoi et demi? On n'a pas arrivé à deux. J'ai envie de citer Pierre Tchernia qui a dit « Ah, quand Popol va au cirque !» Et avant de vous souhaiter une bonne fin de soirée, je vais vous montrer tout d'abord un album, « Les Enfoirés dans l'espace ». Je vous invite à acheter cet album et le DVD qui va avec. C'est pour la bonne cause. En plus, les plus grandes stars françaises chantent et se produisent pour vous. Voilà, il y a des bonus inédits. C'est pour les Restos du cœur. On compte sur vous. Voilà, bonne fin de soirée. Merci à tous. Et comme le disait Valérie... Au revoir. Au revoir.